Ransibedia, l'étonnante raison de sa très longue brouille avec sa petite sœur Mela. Ils forment probablement le duo frères-sœurs le plus drôle du cinéma français. Ransi et Mela Bedia sont inarrêtables. Très proches malgré leurs différences d'âge, les deux acteurs et humoristes partagent une passion commune de la scène et des vannes. Mais tout n'a pas toujours été rose entre les deux. Il est arrivé qu'ils ne se parlent pas pendant près de 2 ans. Si on l'a connu multipliant les blagues potaches avec son complice Eric Judor. Ransi Bedia n'en est pas moins un grand frère consciencieux, et notamment envers sa petite sœur Mela, 31 ans. Depuis quelques années, elle s'est également lancée dans l'humour et le cinéma. Avec quelques succès à la clé, notamment le film Forte, sorti sur Prime et qui lui avait valu une belle reconnaissance. Toutefois, ne comptait pas sur elle pour demander de l'aide à son frère et surtout pas sur lui pour lui en donner. Lorsque la jeune femme a commencé sa carrière, son aîné ne lui a plus parlé pendant 2 ans. Fâché que sa petite sœur le suive dans une voie qu'il pensait mauvaise pour elle, il lui avait mené une vie d'enfer. Comme elle l'avait évoqué sur le plateau de C'est à vous. Il ne m'a plus parlé pendant 2 ans, avait-elle raconté, avant de poursuivre, je n'ai pas compris pourquoi il m'en a voulu. Mais maintenant si, avec le recul, je le comprends. C'est un métier qui est difficile, et il voulait me protéger en grand frère. Mais l'ami d'Eric Judor ne s'était pas arrêté là, il avait même essayé de lui mettre des bâtons dans les roues en utilisant ses connaissances. Un jour où je fais des scènes ouvertes, on me dit que j'ai été sélectionnée avec Charlotte Gabry pour faire la première partie de Gaël Malépoint. À la Nouvelle Ève, c'était, elle souvenue en interview dans le magazine GQ. Génial. Point. Gaël a appelé Ransi pour avoir mon numéro. Il lui a dit, si tu prends ma sœur, je ne te parle plus. Un vrai exemple qui montre qui m'a desservi. Elle le répétait d'ailleurs avec force, la seule qui a cru en moi, c'est Diam. Mais c'est à force de travail que la plus jeune des Bedia, qui ont une sœur entre eux, Rania, a prouvé à son frère qu'elle en était capable. Une chose dont le comédien est très fier, lui qui n'avait qu'une seule peur, point. Que sa sœur tombe sur des gens malfaisants, qui la pistonnent uniquement pour son nom de famille. Je vois que quand il y a un frère et une sœur, c'est souvent le grand frère qui ramène l'autre et l'autre est nul, avait-il argumenté dans GQ, lui aussi. Et on ne dit pas à l'autre qu'il est nul, parce qu'il y a le nom du grand, ça fait une carrière minable. J'étais inquiet, j'avais peur qu'on lui sourie devant, et que derrière on dise ah, si c'était pas la sœur de. Point. Je l'ai élevée cette petite, je voulais la protéger, conclut-il, racontant qu'il y avait pris un véritable savon de la part de Gaël Mallet. Convaincu que la jeune femme avait du talent. Aujourd'hui, tout va bien entre eux, et les deux se sont même retrouvés, avec Eric Judor notamment, dans l'émission LOL, qui ressort. Cependant, l'acteur restait campé sur ses positions, point. Pas question pour lui de s'ingérer dans la carrière de sa sœur, même s'il a finalement accepté de la rejoindre dans le film Forte, après que leur mère s'en soit mêlée,